Plus de 15 266 candidats affrontent les épreuves pratiques du baccalauréat technique session de 2019. Des séries industrielles, commerciales et agricoles sur l'étendue du territoire national. Dans les 400 de Pointe-Noire, à savoir le lycée technique Poitiers-Bernard, le lycée technique commercial de l'OCH, le 7e 12 août 1965 et le lycée professionnel Thomas Sankara, 5 557 candidats du département de Pointe-Noire affrontent les différentes matières telles que programmées. Gilbert Nkonga, chef de centre de LPTS sur le déroulement des épreuves. Depuis hier, avec un léger retard, simplement parce que les listes n'ont pas été envoyées à temps à la DD pour que ça soit affiché à temps pour que les candidats prennent connaissance de les différents centres. C'est ce qui a causé un peu le retard que nous avons connu hier. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Tout était bien passé hier, pour la journée d'hier. Alors, nous, dans notre centre, nous gérons les séries F. Donc, il y a F1, F2, F3 et F4. Et dans les statistiques, nous avons pour la série F1, 93. Nous avons F2, 34. F3, nous en avons 493 et F4, nous en avons 52. Pour la journée, la première journée des épreuves, eh bien, tout a été construction mécanique. Ce que nous appelons, ce que d'autres appellent le dessin. C'est de ça qui a été question hier, toute la journée, pour la première journée. C'est aujourd'hui où il y a la série F4 qui est rentrée de la danse du dessin et la série F2 a commencer avec les mesures pratiques et des mesures théoriques. Et présentement, ils sont à Poitiers-Bernard pour la partie donc pratique des mesures pratiques. Donner le meilleur d'eux-mêmes sans recourir à la tricherie puisque les sanctions prévues sont connues de tous. Étant donné que c'est la matière qu'on a eu à faire, donc les matières en gros, c'est du dessin. Et donc en termes de dessin, bon, la tricherie, bon, je ne vois pas. On pourrait arriver à la tricherie, avoir donc, pour ainsi dire que avec le conseil sécuritaire, bon, ben, tout est bien normal, bien passé, sans qu'il y ait des émeutes, des incidents. En tout cas, il n'y a pas eu à se plaindre qu'il y a le côté des enfants, ceci, cela, si on vient avec ceci, cela. C'est du dessin. Du dessin. Je ne sais pas si on peut venir avec une planche de dessin déjà travailler ou bien comment faire. C'est du dessin qu'on découvre sur place. Bon, c'est un peu difficile qu'on se retrouve avec des officines en termes de dessin. C'est un peu qui nous fait notre garantie en termes de sécurité dans ce moment de sécurité. Notons que ces épreuves pratiques prendront fin le 22 mai prochain et laisseront place aux épreuves écrites le 4 juin 2019.